Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez nos ténèbres. Où sont les bénis? Eh bien là, maman, les bénis. Je plus précisément dans la carte de Washington. Je suis maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Je suis Shop Africa Union. Je suis en train de faire un peu de temps. Il y a un Congolais. Je suis en train de faire un peu de temps. Pour la Corée, je suis en train de faire un peu de temps. Pour la Corée, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas six mois si non voyez pas y a dix non voyez à dix mon commandant on t'es cas alors t'es cas bio quoi y a mboka y a fresh bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pour la mon kanja isali baroubi nous on voyez à dix en Cuba paniwa baroubi en tente isali ça comme ça ça y est mboto y a mbi c'est ça baroubi ni a pas y a mboto ni a mboko mboto est là gagné galan gando n'est pas là il n'a pas na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po ba to comprendre te mawa ba kongore u alonu u alonu po na kolia na bino moko ba to le na bino kalinyo kolia na apeti Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Le fax, présidence, le directeur de cabinet, Eberhard Kolongele, sur les traces de Vital Kamerhe. Eteni Manjolo, la requête du procureur confirmée. Le procureur veut enquêter sur M. Eteni et M. Manjolo, respectivement FCC et Cash. Ngoïka Sanji chez Ambago. Ah, ce monsieur va voir tout le monde, on dirait. Londres, c'est Ambongo, pardon. Londres et Kinshasa se fixent de nouveaux axes de coopération. Un pas important dans la lutte contre le coulage des recettes, c'est les Yalagouli. Active les logiciels. C'est Africa News qui en parle. Écho de l'IDPS. Les Bakata Katanga nourris par le FCC. Félix Tshisekedi, ticket incontesté de l'UDPS. Mesdames et messieurs, les discours du président Félix Tshisekedi. Vous avez tous suivi hier le discours. Mais ce que je note, c'est la versalité des Congolais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas une chose. Avant d'aller dans le discours, je présente mes condoléances à l'artiste Koffi Olomide qui a perdu sa maman. Notre maman. Pourquoi je dis notre maman? Parce qu'on a tous grandi dans cette musique où on chantait Maman Ami plusieurs fois. Et donc là, j'ai des chansons qui me reviennent à l'esprit où Koffi chantait L'amour de sa mère. Et on a tous compris que Koffi Olomide, quoi qu'il était grand, quoi qu'il est grand, quoi qu'il est artiste, la star, ben, il est resté un enfant auprès de sa mère. C'est plutôt les deux musiciens qui ont beaucoup plus parlé de leur maman. Il y a Koffi Olomide et Papa Wemba. C'est vrai que Koffi est aujourd'hui en train de passer une très mauvaise période parce que quand on a perdu sa mère, il n'y a pas quelque chose d'aussi cruel, énorme, difficile comme ça, qu'on perde sa mère. On n'a pas de mots. J'ai vu Koffi en larmes et je présente vraiment mes condoléances les plus attristées à la famille Olomide et à lui-même l'artiste et à tous les fans de l'artiste. Alors, je parlais de la versalité des Congolais. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est que nous sommes le premier à dire Tolingi va respecter mandat. Tolingi va violer constitution. Tolingi va mettre sa mauvais côté. Tolingi te, Tolingi te. Nous sommes ceux qui disent ça. Quand les membres de l'UDPS, mon frère, pasteur Gilit Ndegoranga, quand il a dit ici que élection T avant identification, élection T avant recensement. Batoba fingi, n'est-ce pas? Botombo qui balou, jamais un mandat. À la limite, deux, ça suffit. Pas question d'aller plus que ça. Koulou Tounangaï, ministre
délégué à la défense à l'obi Fatih alors ça la remise et reprise na kolo soit une kolo aïe bato batombo qui le sous un ministre ne devrait pas dire ça, tout ça. Ok, maintenant lui-même Félix Tshisekedi dit que moi je ne veux pas faire plus de deux mandats, je trouve ça anormal. Batombo qui oh non c'est Galembi alors sous ma cambouté c'est que et d'abord accord bah signa qui mais à la fin les Congolais vous êtes comment mais on est comment à la fin. On respecte la loi Tobangi. Bon, on va plus loin. Oh, bon, même ici. Mais on fait comment à la fin? Ceux qui m'ont respecté, mon béco, oh, à Tobanga, bah, toi, l'ingité, fait que la finale qui va encore, que ça, la cabine, on a pouvoir. À Saligé, à Poutine, Poutine, à l'obaki, il faut qu'on mais alors, vous aurez voulu à l'obani. Donc, Batou Bando, c'est la Félix, par exemple, à l'obaki, non? Non, makasi. Peut-être troisième mandat, ceux qui m'ont l'ingité, vont voter. Ceux qui ont l'obaki, bon, moni. Au moment avec la gouille contre le dictateur, Alinga dans le dictateur. Vous avez quelqu'un qui témoigne sa foi aux lois de la République. Il dit par exemple, moi je ne voudrais pas me représenter au-delà de deux mandats. Je ferai mes deux mandats et puis je m'en irai. Bon, ça gêne. Pourquoi? Un autre élément qui me fait rire dans tout ça, c'est que qui dit que les deux mandats de Félix Tshisekedi sont à compter comme le mandat de Tshisekedi? Qui dit ça? Peut-être que le premier mandat sera compté après recensement. Qui le sait? Non, c'est pour dire simplement, ça c'était pour blaguer. Mais à vrai dire, hein, je l'ai toujours dit, Félix Tshisekedi, à moins qu'a changé, à moins qu'a comme, bon, on ne sait pas, on ne peut pas toujours qu'on dit, mais la moutouti dans le niveau moussoussou. Mais au moins, on a quelqu'un sur qui on peut compter. Au début, que comme un dictateur, t'es. Au début, qu'il ne va pas se retourner contre le peuple. Au début, qui a gobomi sa peuple. Au moins, on a ça. Au moins, on a un monsieur qui est tolérant, qui peut écouter les sons contraires. Au moins, on a 2 ans sans exilé politique. Au moins, on a 2 ans sans prisonnier d'opinion. Au moins, nous avons 2 ans, il y a mandat awa, sans des cachots de l'ANR. Au moins, on a 2 ans sans des journalistes arrêtés. Au moins, on a 2 ans sans des politiciens poursuivis. Pour avoir dit non, pour avoir dit oui. Au moins 2 ans en gros. C'est donc des choses assez bien pour dire. Alors, si lui, le président Félix Tshisekedi, estime qu'il ne peut plus faire, il ne pourra pas faire plus de 2 mandats, il ne va se limiter qu'à 2 mandats. Mais c'est ça que la Constitution lui garantit comme prérogative. La Constitution lui donne la possibilité de rester au pouvoir seulement 2 fois. Disons, pendant 2 mandats. Pas 2 fois, pendant 2 mandats. Le premier et puis le dernier. Ça, c'est un don constitutionnel. Donc, tout à ce qui si on a, il part, c'est normal. Il peut aussi dire, bon, la propre mandat, ou le premier mandat, je me retire, je ne peux plus continuer, je me retire. C'est de son droit. Phrase où Félix Tshisekedi lobby et la phrase où Obama, le Bakango, Awa. Obama a été reçu par les présidents africains. Il a posé la question, comment faites-vous pour rester longtemps au pouvoir? Moi, ça fait 8 ans seulement, mais j'ai comme l'impression qu'elles ont vieilli. Obama a plusieurs fois montré l'image de Morgan Freeman en disant que si je reste au pouvoir longtemps, voici à quoi je vais ressembler. Balaxi et Longi, il y a Freeman, il y a Morgan Freeman. Comme pour dire que Ekolembi Sangai. Aujourd'hui, regardez la photo d'Obama. Il est beaucoup plus jeune. Il a rajeuni. Il a rajeuni parce qu'on dit que Muto Penzako avec une poids naïe. Mes frères, Mboka loko la RDC, Kokamba yango, ce n'est pas facile. Gérer un pays aussi grand comme la RDC, complexe comme la RDC, et Kozalana Bakongo, peut-être la RDC, gérer la RDC peut être facile, si on change peut-être de peuple. Mais avec ce peuple, c'est extrêmement difficile. Un peuple qui aime la rumeur, qui ne fait pas des efforts, qui est dans les superficiels. Un peuple qui se trouve dans qui aime les insultes. Comment mutoko benga muto na téléphone pour fingai? Comment vous salez en haut et puis muta bonga bien la maman? Je suis une maman, j'ai des enfants à la maison. Mais qu'est-ce que tu as dit? Comment tu as dit que tes enfants? Ce qui n'a langage dans pour fingai des élèves. Comment on est incapable de défendre son point de vue? Il faut qu'on finga. On s'appelle parrain, batou, famille, pe, papa, on s'appelle papa, on s'appelle maman, on s'appelle nabal, nandak. Mais batou, tout, baby, on finga, kaka. On s'appelle à l'aise. On bengi pe le téléphone, on fingi pe. Faut éviter comment les gens font. Si on bat partout un modèle, le peuple un modèle, il faut qu'on babangou comme ça pendant 8 ans, tout pendant 10 ans. On dit combien c'est difficile.
Mais un autre élément, c'est aussi, il ne faut pas confondre les langages politiques et les langages d'un homme d'État. Quand on est président de la République, on n'est pas politicien. Quand on est président de la République, on agit comme un homme d'État, parce qu'on a la charge de l'État. Et on évite des propos qui peuvent entraîner les gens dans le cas de la bébé, dans le cas de la déranger. Mesdames et messieurs, dossier et ambassadeur rwandais, ça nous a tous embêtés. Ça nous a tous dérangés. Et ça, l'ibisson, c'est mon thème à passer. Tout le monde a estimé qu'il fallait qu'on bengana ambassadeur rwanda. Mgana kansa qu'il fallait qu'on bengana yé. Il fallait qu'on rompre par rapport à yé. Mais mon tour n'est pas bon. Qu'est-ce qui nous énerve le plus? Présence et ambassadeur rwandais. Ton présence et ambassade rwandaise dans le Congo. Qu'est-ce qui nous énerve? Ce qui est ambassadeur rwandais dans un énervé, alors on n'a rien compris. Je crois que le Congo devrait être contre le fait qu'il va installer ambassade à Rwanda à Wana Congo. Parce que avant d'adresser en bas, ériger ambassade na Bango Awa, il faut que le Congo et le Rwanda parle le même langage. Ça veut dire que le Rwanda reconnaisse Babiloko Nyon Somongo Basalaki, implication Nyon Somongo Basalaki, Basalaki, et bat à la prêt à réparer. C'est tout ce que l'on attend d'eux. Qu'ils réparent ma cause, qu'ils réparent Babiloko Bango Basalaki. Mais le peuple dit, Tolingi départ et ambassadeur. On veut expulsion et ambassadeur. Non, on pose mal le problème. Le problème, ce n'est pas Kolongo l'ambassadeur Nabango. Le problème, c'est la fermeture de l'ambassade, pas l'expulsion de l'ambassadeur. On va dire place de place. Moi, l'ambassadeur, ce n'est pas un problème pour moi. Le problème pour moi, c'est l'ambassade. Parce que s'il n'y a pas d'ambassade, il n'y aura pas d'ambassadeur. Commençons par fermer l'ambassade du Rwanda et puis on n'aura plus d'ambassadeur. Mais si nous nous attaquons à cet ambassadeur-là, on va envoyer quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas besoin du respect du roi, des Rwandais, de la politique rwandaise. J'ai besoin d'une réparation. Et ma réparation commence par les rapports mapping. Il faut le mettre à jour. Il faut l'ouvrir. Il faut le lire. Donc, lorsque le chef de l'État dit, par exemple, qu'il ne trouve pas l'importance, il ne pense pas que ce soit une bonne idée d'expulser l'ambassadeur rwandais, le président a fait un choix. Mais je vais vous amener dans une autre histoire. Nous sommes au Congo. Le président Mobutu, Ayuki Sangoke, na Burundi, na Bakangi, je crois na Bujumbura si je ne me trompe pas, Bakangi, étudiant zaïrois à l'époque, parce qu'ils ont pris un verre de trop. Le président Mobutu était de passage na Bujumbura, il apprend que na université à Bujumbura, Bakangi, Bakongo, zaïrois, parce que Bakenaki comme la Masanga, quelque part, Bundi, ceux qui na bar Mokoboué, Basali des ordres Kuna, Bakangi Bango. Les étudiants zaïrois étaient en tort. Bazalaki n'a tort, Bazaïrois, na Bujumbura. Mais qu'est-ce que Mobutu a fait? Quand il arrive, il demande au président, Wana. Il n'appelle pas le ministre, il appelle son homologue. Il dit, on m'apprend que les étudiants Zaïrois sont arrêtés, ils ont passé la nuit au cachot. On dit oui, Abi, je veux le voir dans la résidence Nanga. Tous les étudiants Zaïrois. Il paraîtrait que par la même occasion, tous les prisonniers zaïrois, et les étudiants sont allés rencontrer Mobutu. Mobutu les a engueulés, et après Mobutu leur a donné de l'argent. C'était un message, pas pour ceux qui disent, mais pour leur dire, je suis avec vous, je vous protège. Partout où vous êtes, personne ne peut vous faire du mal. Ça, c'est un message qu'un président a pour nous garantir Batonabango. Souvenez-vous de l'épisode à Brazzaville. Souvenez-vous de un grand frère m'a raconté une histoire. Alors, une époque, j'ai oublié la date, une époque, les Brazzaville avaient fait ça aussi. Les Congolais, les Zaïrois, à l'époque, étudiants en ce moment-là, quitté l'ambassade. Saccager l'ambassade à Brazzaville, alors vous n'avez aucune idée. Kangi Bango dans la police, c'est Mobutu lui-même qui vient libérer les étudiants qu'on avait arrêtés la nuit et appelle ça Bango 10 fois la bourse. Je peux me tromper. Ou on peut mal m'informer. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était un peu ça l'histoire.
Ça veut dire quoi? Mobutu a félicité Mbabi Bozami Bali à solo. Bokondi Mateba Beta Binokuna. Et bien, nous avons dit que nous. En fait, Mobutu n'allait pas dire ça devant tout le monde. Il n'allait pas dire à la télévision que non, en tout cas, vous avez bien fait. Mais au moins, les gens qui ont dit c'est ça la fierté. Ma bête, il y a Brazzaville, il y a besoin de savoir par la bino. Ah, d'une manière ou d'une autre. Moi, nous avons un mécanisme. Mais il y a un côté la bino. Je viendrai la nuit pour dire libérez-moi ces gens-là. Botika Bango. Tant ma bête, il y a un bon côté. Mais depuis, Mobutu Kenda, faiblesse et quota. Non, pas toujours. Laurent Désiré Kabila. Tous ceux qui sont à Kinshasa, oh, bilo que je suis à Massina, parce qu'il y a Brazzaville, ils ont une. Ah, mais Laurent Désiré Kabila est allé là-bas. Abidi Botal, il s'appelle Kuna Boura, Bobo Kana, moi, deux ans de Kuna. Et puis, ça va encore moi, bonjour, bonjour, va comprendre que, ah, Mbali Bazali. Bah, aucune occulte, tant, bon, on va calmer. Ote, bah, tout le monde va dire, bon, dirigeant en côté, ni. Oye, qui est content, Zahir, tete, bon, dirigeant en côté. Ils ont un homme dirigé, pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a eu un rapport de force. Ce que nous demandons à Fatshi, c'est ça aussi. Monsieur le président Félix Tshisekedi, moi je comprends beaucoup les choses sur la diplomatie aux hommes menés. Mais on ne peut pas mener une diplomatie avec ceux qui ne vous mènent pas la même diplomatie. La règle première en diplomatie, c'est d'abord la réciprocité. Si on ne vous respecte pas, vous n'avez pas besoin de respecter les autres. Si on vous manque de respect, vous n'avez pas besoin de respecter les autres. Sinon, ça sera de la naïveté et de la faiblesse. Les États n'ont pas d'État, n'ont pas d'âme au sens propre. Les États sont dans le pragmatisme et dans le réalisme. Vous nous manquez du respect, on vous manque du respect. Vous nous tapez, on vous tape. C'est comme ça. Vous expulsez les Congolais en Angola. Nous expulsons les Angolais ici. C'est comme ça. Nos Congolais sont en situation irrégulière là-bas. Vous les chassez. En toute forme de discrimination, on fait la même chose. Ce qui n'a pas l'on a bien au Bénin, il va congolais. Ce que tout le monde n'a pas congolais, mon coq qui était en ordre. Mais au Bénin, nous chassons quatre qui sont en ordre ici chez vous, chez nous. Au Bénin, de la même manière. Mobutu a mis quelques Français dans un avion, si je ne me trompe pas. Il a mis quelques blancs dans un avion et il les a ramenés chez eux au pays parce qu'on avait expulsé les choses. En fait, le problème, c'est un rapport des forces. Dans la tête, si vous estimez que vous ne pouvez rien, vous ne pouvez rien. Si vous-même, en tant que pays, vous savez que, ah, de Nangola Tokokate, te, Nabrasaville Tokokate, te, Nawana Tokokate, on va vous manipuler. C'est à vous maintenant de décider de dire non. Voilà pourquoi moi je dis qu'il y a un discours à chef de l'État, parti où on est à Rwanda, moi je n'ai pas trouvé ça intéressant. Non, pas du tout. Je n'ai pas trouvé ça intéressant. J'estime que le président n'aurait soit rien dit sur la question du Rwanda, il aurait pu esquiver question ambassadeur Rwanda, ou alors il allait au moins condamner les propos Yamutuana. Je ne dis pas qu'il n'a pas condamné. Je ne dis pas qu'il n'a pas condamné. Mais seulement que je dis qu'il aurait pu faire encore mieux, condamner davantage les propos grossiers. Il y a ambassadeur rwandais. Voilà. Et envisager pourquoi pas la fermeture du Rwanda. Je sais quand on voit le chef de l'État aujourd'hui, position naïe, il y a Rosala président, il y a Union africaine lobby, il y a Rosala tout ça, il veut garder les bonnes relations, être un président pas conflictuel, ainsi de suite. C'est bien bon, mais moi je crois à un moment donné, il faut donner un peu de coup. Il y a tellement eu beaucoup de questions sur lesquelles au chef de l'État, Azala qui est un peu étendu. La question, Moussa Rubi Kambouya, il y a santé. Qu'il faut couvrir trois maladies. Bon, Monique, Maramoto, le Bakaïta, le Koutate. Aujourd'hui, lui-même, le chef de l'État, a répété exactement ce qu'on a toujours dit dans les missions d'Abisso. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais je suis très fier d'apprendre qu'un président écoute son peuple, très fier d'apprendre que tout ce que nous disons est que nous avons la maïté. N'a pas fier dans mon côté. Toloba qui a dit que, avant mandat à président de la République, ça fait 3 ou 4 mois, ou peut-être une année, Toloba a dit que le chef de l'État a 3 maladies. Bandeko, c'est normal que mon cannabis, ce qui est ma maladie, et tous les toujours dans mes partenaires internationaux. Bandeko, il y a un gros lot, il y a un cannabis. Non. Nous voulons que mon cannabis, par exemple, il y a un paludisme. Il faut qu'on ait la situation que nous avons un paludisme gratuitement. Gratuitement. Na moustiquaire au fêlé. Il faut qu'on ait un niveau là qu'il n'y a aucun hôpital pour le paludisme. Tant qu'on dit que c'est dans l'hôpital, ma pécio, c'est une moustiquaire. Ma tout n'y a famille, il y a autant de banabana, au boni. Oh non, il y a autant, ma pécio, moustiquaire, on dit. Moi, je suis né à Goma. Je suis né à Goma, mais je me rappelle quand j'étais. Naïbi Souté, je crois, bah, 94, quand j'ai commencé l'école primaire. Je sais plus, en tout cas, mais. Bino Mandingwana. Quand j'étais en deuxième, troisième primaire, j'ai encore les souvenirs. Il y a une école,
Tu sais que mon abattu va que les cas na ba sac n'habitez elle juste au début c'est époque on a époque ben époque on a n'habitez si à qui n'est à qui bon mais bon va dans une école boue bah médecin va continuer l'école bah eh bah il continue le vaccin mon souvenir qu'on prélevait bino bah on savait bino bah bide bah ça dit il venait moi mon père m'a toujours rappelé que quand j'étais petit n'a bien un souvenir à la sauter mais il me dit que j'avais des dents ici hein superposées je n'avais pas une belle dentition. J'avais beaucoup de dents superposées, ainsi de suite. Et il me dit comment enlever la balabala. C'est en route qu'on a enlevé ça. En route, en tout cas. Pec, 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 balongoli. Aujourd'hui, j'ai quand même une bonne dentition. Ça veut dire que l'État, à l'époque de Mobutu, prenait en charge certaines maladies. On peut le faire en coopération, si vous voulez. Mais nous-mêmes, nous devons d'abord être en mesure de prendre en charge deux ou trois maladies. Ndekobota la mboka loko la Hollande, son ami cité. Je peux me rappeler, vous allez me corriger. Bas tomboki parce que na li pao bas la sandwich, bas se rendre compte que ils en a 8 fois taux de sucre, 8 fois taux de sucre que la loi a réglementé. Donc, et pas na bango, mboka na bango, bas qu'en a même qu'on réglementé li pa. Le taux du sucre na li pa est réglementé par la loi. Ça dit beaucoup les cas grammoté, beaucoup les cas niveauté. Ceux qui veulent qui niveau au cas bas est comme un problème parce qu'ils vont lutter contre l'obésité. Est-ce que tout le monde a beaucoup aimé Batomayel? C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État, on a coutuko, qu'on nous connaît beaucoup aussi quand l'argent est ici. To senga qui que ma brasserie, ma produit laitier, ma sucrerie, ma produit au salaire ma foutre un autre, hein, ma lotion et tout, ma produit cosmétique, ma hygiène cosmétique on a, ma produit nyoso wana na ba o e poluaka. Bah, il y a du pétrole, il y a toutes les usines, il y a des mines, il y a des mines. Il y a des prélevés taxes supplémentaires. On peut organiser aujourd'hui la création d'une nouvelle taxe pour récupérer beaucoup, pour financer le secteur de la santé. Je prends un exemple. On a dit la bière, on a parlé de la bière. Parce que moi, j'estime que la bière ne peut pas être moins chère dans beaucoup de la bière. Il ne faut pas que bière soit la moins chère. Il faut bière soit la beaucoup plus chère pour que décourager le consommateur. C'est comme ça aussi qu'on décourage le consommateur. Il faut que tu aies pris la bière, mon aîné. Pardon, mon niveau. Bon, les gens vont dire, mais toi, tu vas baxer au niveau, tu vas cumuler les ododos. Mais il faut fermer les ododos. C'est tout simplement ça. Il faut fermer ça. Il faut fermer. Qu'on ferme en gros au sens propre. Soit va fermer en gros, soit va raffiner en gros. C'est possible de dire, mettons de l'ordre de ce côté-là. De toute façon, les liqueurs sont toujours beaucoup plus chers que la bière. Alors, allons-y là-bas. Ton matisse à mon niveau, l'État est quota, la caisse, en fonction de mon niveau. Par exemple, dans la bière, on prélève 200 francs, si vous voulez. Ou l'État prend 500 francs. Il y a matisse, il n'y a pas de problème. De toute façon, on a besoin que les matisse soient en minguité. Matisse, prix à bière. Soit par exemple 2000, l'invité va à combien? Soit par exemple 2000, Babaxi par exemple 2500. L'État prend le 500 francs. Où est-ce à l'écolo? Toi, Babaxi 2700, l'État prend le 500 francs? Non, Babaxi 500. L'État, oui, 500 francs. Babaxi, par exemple, on a ma cigarette. Toujours mon amour, on a eu Kotibing, on a Kinshasa. Sur un paquet. Soit qu'il y a 1000, par exemple, 1000 francs. Babaxi 1500. C'est toujours comme ça. Et l'État, toujours 500 par paquet. 500 par bouteille. La sucrerie. L'État vient dans la carte sucrée, la bouteille au Dali 700 francs, l'État a eu 200 francs. Il y a commission de 1000 francs, il n'y a pas de problème. Mais l'État a eu 300 francs par bouteille. Et l'État, ça c'est une gestion des choses comme ça, hein, que l'État au Brovan, au là, quel est le haut au. Parce que moi je donne des idées parfois brutes. Binomo au Brovan, tant que bateau va dans le domaine, vous pouvez quantifier en gros. Ce que l'État a récupéré, je suis très convaincu que dans un mois, la consommation. Yamasangawana peut donner à l'État des millions, de millions, de millions de francs. Et ce que nous allons par an, l'État peut avoir au moins le milliard même. L'État peut arriver à atteindre le milliard. Si on a un milliard, on a dit, beaucoup si on a un programme Mokoboué, on voit que le programme est allé, non seulement le programme de traitement, mais il y a un programme de prévention. Parce que nous perdons beaucoup d'argent. Il vaut mieux perdre l'argent dans la prévention que dans le traitement. Parce que le traitement, ça coûte cher. Il faut des mesures préventives. Balaksaka ba campagne à TV. Balaksaka ba tonengeni ba tambolaka. Nengeni ba vandaka. J'ai toujours donné des idées comme ça pour permettre à un bateau de vivre. Un autre élément. L'élément de tout ça, la statistique, il y a fracture dans ma salle de bain. Ma fracture dans ma salle de bain. Tu vois, c'est un combo nyos. Oh, il y a qui bota. Oh, il y a qui flèche. Oh, il y a qui démon. Il y a qui bota. Tout ça. Mais il y a parfois nature.
y a carreau autozui. Et ça parfois information autozanangote sur comment on se lave, les couleurs à carreau, par ma mousse et zali, ainsi de suite. Tout ça l'État voit. Quel est le savon qui a beaucoup plus de mousse, par exemple? C'est peut-être fou, mais on peut imaginer. Quel est le carreau qui ne convient pas dans la salle de bain, dans la salle de bain? L'État peut dire, le carreau doit convenir dans la salle de bain et ça carreau tel. L'État prend en charge la campagne pour les locaux, dans la télévision, dans les réseaux sociaux, en disant, en rappelant aux gens que tel carreau, ils appellent la douche tel. Mais carreau tel, ils appellent la balabala, ils appellent, pardon, ils appellent la mur, ils appellent la ndaku, ils appellent la balabala, ils appellent la salon, ils appellent la véranda, ils appellent l'usage de moussoussou, mais ils appellent la salle de bain tel. La salle de bain, Congolais, Congolaises, ne mettez pas ces carreaux. Par contre, on mettait le type des carreaux. On ne dit pas la marque du carreau, ni les fabricants du carreau. Mais le type des carreaux. Par exemple, des carreaux dentelles. Par exemple, des carreaux qui ne glissent pas, qui ne favorisent pas la glissade. Tout ça est répertorié. C'est ça la prévention maintenant. Vous allez voir que l'État va gagner beaucoup d'argent. N'a aucun coût, parce que imaginons que l'État paye $1 million pour des malades. Mais s'il n'y a pas de prévention, vous allez perdre $1 million toutes les années. Mais si vous commencez à prévenir, à un moment donné, au moment où on a pouf, il n'y a plus assez de malades à prendre en charge, Mbongwana, vous constatez pendant quelques temps après, vous quittez Mbongwana, vous affectez Mbongwana dans un autre domaine. Parce qu'il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de cœur, il y a des problèmes où il y a, oh, ceux qui m'ont abéli en Gwana Congo, m'ont accoufi dans les caca. Il y a des maladies qui sont au Congo, à qui n'est-ce pas, à qui n'est-ce pas, à pardon, à une église, à l'année qu'on a peut-être dans ma grosse sunga. Parce que imaginez que Moutabe a cancer de colon, na kina Congo. Ah, sous quoi? Sur les bomines, nous Black Panther. Sur ce que je suis, ma biche, sous quoi? Eh bien, ma balade, nous sommes sur le Kiango. On dit que ça, mais la dianza, mais sous la cona, na comme de l'autre côté. Moi, je me rappelle quand c'est arrivé à l'Unikin. Nous avons perdu, et mon ami Yannick le sait, on a perdu un ami que je n'oublierai pas. En L1, Eloko. Cet ami s'appelait Eloko, il est parti. J'ai toujours... Non, mais ça m'a toujours fait mal. Les gens, quand on allait au deuil, quand la mona mona muningana, muningana bisona, pardon, les gens pensaient que nando le la pour la muninga muninga. C'est vrai, on pleurait aussi pour la muninga. Mais je me disais, ce qui est Eloko bozungai. Déjà, quand tu as une kin, ah, la kin, papa, t'es, maman, t'es, y'a des côtés, aux arbres, yomoko. Bah, on te donne $50 par mois. Ça dit $50 par mois. Nambon wana somba bilamba, somba syllabus, somba nyoso. Ça dit soko zinon bongo wana te, moutou eza bien. Mais soko zin bongo wana bleu comme tout passe. Parce qu'on va dire qu'on affecté dans ça, nini, docteur, tout ça. N'a peine en ce moment-là, je travaillais aussi à la télé, on ne me payait pas. Donc quand Nambon wana les fana foutent à ma transport, des ando, ti, ville. Donc ça émission. Parfois, on se fraudé dans ma bus, hein. Parce qu'on a fraudé dans ma bangombol wana. Vous n'as, tu n'as pas d'argent, mais tu as envie de travailler, tu fais quoi? T'as fraudé dans ma quoi. Mais fraude dans la fraude, dans la commune, dans Mathilde, par exemple, dans le transport, dans le chauffeur, dans le receveur, on a poli, on a calme. Parce que pas le receveur, on a un poli, on gifle, et comme bien. Ou tout ça, l'émission, on c'est pas bien. Au Mathilde, aux élites, il faut la patience. Première règle, quoi, la tête. Il ne faut pas faire des choses qui vont énerver les receveurs. Attends tout le monde à côté, et puis on va. Sur la monsieur chef, tu quel moment on a parlé, au télémio, aux arts coopératifs. Et ça se passait comme ça. Et puis après, sur mon commun côté à Unikin, on expliquait, on a vu assez. Et il te regarde, ah papa, na ma veste est boue vraiment. Et il te laisse. Mais ce qu'on imagine, au commun, dans le campus, tu te dis, mais je ne sais pas trop. Mais on lui demandait 700 000, 800 000, 500 000. Enfin, tu vois, il y a un sangou, il m'a dit, mais ce qui est Zunga Yawa. Et là, tu commences à pleurer comme si tu es tombé malade. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui n'a pas besoin. Mon père va mourir peut-être avant. Parce qu'il n'aura pas les moyens de t'envoyer un bongo à modèle ou un. Ce qu'on dit, dites-moi un peu, mesdames et messieurs. Mboka modèle ou un, vous dites qu'on est, en train de vivre. Moutabeli, cancer des colons. Nakin, on se connaît. Et donc, moi, j'estime que faiblesse, il y a système Nabisso, il y a système sanitaire. Pour que tu régles, pour que tu supplies, il faut prévention. Voilà pourquoi quand le chef de l'État dit, par exemple, qu'il faut trouver à réussir trois maladies, moi, j'ai dit au chef de l'État de trouver des bons mécanismes pour la prévention. Le Congolais mange mal. Le Congolais mange mal. Il consomme des choses toxiques. Mais ça, tout le monde met là-bas yamabe, tout le monde met là-bas jus périmé, parfois yamabe, batali, yamon akatite, baibini, yamon akatite, mais tout le monde met là-bas kabongo.
et ça devient compliqué. Du coup, quand on boit, on ne sait pas. Des problèmes rénaux et salema. Et Batoubazo Bela. Donc, de plus en plus de jeunes vont tomber malades. L'État doit prévenir le commandant Luana. Sucre, il faut évaluer. Il faut qu'on t'aille. Et ça, c'est la campagne de sensibilisation. Demander à nos mamans de manger bio. Mais comment on va manger bio si le bio coûte cher que les engrais chimiques? Tout ça est en train de déterminer la santé. Il faut des vraies politiques pour que maintenant, comme on le dit, il y a frais. Il est temps de manger les poissons au Tobi, acte de décès dans le Tobi, ne koufaki, jure koufaki. Que de prendre des poissons qui, aux ont invité, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ils ont congelé. Attention que pollue au Kouébaté pour les congeler. Mais si vous avez des commis, gars, c'est si il n'a pour l'emballement. C'est-à-dire, il n'a pas pour l'emballement. Ça suppose que c'est pour là déjà, que, non, et poli, et kauki, et poli, et kembi, et pokarabongo. On peut trouver des solutions pour que tout sortir de la situation au Tosanango. Moi, personnellement, le discours du président ne m'a pas beaucoup gêné, à part quand il y a un ambassadeur, voilà, peut-être qui pour pas bien, mais le reste, j'estime que Daki est Daki bien, et nous allons plus loin pour conseiller de faire mieux. Moi, je conseille au chef de l'État de faire mieux. Il faut que Bambongo ait une recherche. Il faut rallier la médecine traditionnelle à la médecine moderne. C'est le moment maintenant. C'est le moment de moderniser la médecine traditionnelle. C'est le moment de financer les grandes recherches sur le diabète, sur le cancer, sur le cerveau, sur beaucoup de choses. Tous à la pâte à piler, non, comment quoi? Tous à la pâte à référence dans le Congo, dans le monde, dans la maladie, mon quoi? Qui est bisous, au bras, au zombie, ça va. Nous pouvons. Aujourd'hui, le diabète, le Congolais, il y a une solution à diabète. Il y a des Congolais qui ont réglé la question du diabète, mais qui ne sont pas connus. Ceux qui l'État a eu, c'est mon placement. Vous les enfermez pendant un an, pendant deux ans, qui vous sortent la solution du diabète. Mais toute l'humanité viendra chez nous. Toute l'humanité viendra chez nous, viendra régler le problème du diabète chez nous. Mais en quoi voulons-nous être forts si nous n'arrivons pas à transformer notre force en richesse, sinon... Voilà un peu, messieurs et dames. Donc, bon voyage, et je veux dire quoi, disons... bon week-end à tout le monde. Bon week-end à Batou Bélé, Batou Azor, Ndabiso. Merci, Minginabino. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte à Washington. Maman Marte, Balobi Shop, Africa Union. Mais quand tu es Kimya pana kumbo.